Salut, salut à tout le monde. Je vais faire cette vidéo parce que j'ai une jeune fille devant moi. Et je crois qu'elle fait face à beaucoup de situations. Elle-même, elle ne comprend pas. Donc d'abord, quand je la questionne, sa mère ne vit plus. Elle a moins de 30 ans. Bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, vous me dites. L'histoire de la fille ici, hein, c'est typique. It's typical. Et beaucoup de personnes ont enduré ceci. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? S'il te plaît, dépose juste ça au sol, comme ça va me faire plus de lumière. Ça. Ok. Merci d'avoir pris la peine, Yami, d'écrire et de dire que tu entends bien. Mets le vent sur le fond. Regardez, hein. Regardez. Cette jeune fille, elle a eu son premier enfant. Elle s'est séparée du père de son enfant. Elle a le deuxième enfant quand elle finit son bac. Et elle se rend compte qu'elle est enceinte. Le gars qui est le père de son deuxième enfant est manipulé par sa belle famille. C'est-à-dire par la belle famille de la fille. Vous allez souvent avoir des belles familles qui vont venir voir que pourquoi le gars-ci veut, pourquoi il veut me mettre avec elle. Vous avez 22, 25 ans, 26 ans. Et vous savez qu'à l'âge-là, l'homme est encore manipulable. De toutes les façons, l'homme est même beaucoup manipulable. Voilà un homme qui n'a pas d'enfant. Il tombe sur cette femme. Il fait l'enfant avec elle. Dès qu'elle lui dit qu'elle est enceinte, il commence à dire que ce n'est pas d'abord son enfant. Et quand, du coup, je suis sûr que la belle famille avait déjà su qu'il y a une fille avec qui il sort. Ils ont commencé à refuser la fille sous prétexte qu'eux, ils vont lui trouver une autre fille. Ils trouvent maintenant, ils envoient la fille dans la ville où le gars se trouve avec la mère de son enfant. Et c'est sûrement le genre de gars que son cœur est tout sur sa famille. Le gars fait que visiter la fille, non? Ils envoient même la nouvelle fille. Le gars vient toujours voir la mère de son enfant. Et tu vois, quand tu avais un gars, tu sens que son cœur te veut. Tu sens que il n'a pas le courage. Mais tu sais que tu sens que le gars s'y met. Et parfois, il se perd comme ça. Là, il passe une nuit avec toi, il est bien. Après, il part le lendemain, il change encore. Pam! Ce sont les gens qui sont manipulés par leur famille. Et il y en a beaucoup ici dehors. Écoutez. Ne blaguez plus. Si une femme peut se mettre dehors, elle parle à ton mari. Il part, il commence à coucher avec, il t'oublie. Madame. Lève-toi, tu commences à parler. Parle sur la nourriture que tu prépares pour l'homme là. Parle dans tout. Tu repasses ses habits, tu parles. Tu coupes même ses ongles, tu parles sur tout. Tout ce que tu fais sur lui, ça va devenir une incantation. Protéger son mariage ici dehors, ça devient. C'est une question de vie ou de mort. J'ai lavé une femme ici hier. Quand il la lave, au moins je vais te faire les déclarations sur la dame.
ma gorge se coupe. Je dis, mais c'est quoi ces bêtises-là? Quand c'est comme ça, je sais qu'on allait faire les incantations très, 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 très profondes sur la personne. Je commence à voir comment quelqu'un a pris son caleçon en train de tourner dans la calebasse en parlant. Après, je vois comment la personne est au bord de l'eau en train de laver son caleçon et de parler. Elle me dit, maman, que mon mari vit dans une autre ville, une ville côtière. Moi, je suis ici avec les enfants. Il allait amener les femmes chez nous jusqu'à que j'ai mes habits, j'ai mes choses là-bas. Donc, ce que tu as vu là, ça, mais je suis sûr que quelqu'un a pris mes habits à la maison, il est parti faire ce que tu as vu là. Parce qu'elle est venue, elle dit, bon, si elle a droit, elle vit à droit, elle ne m'a pas expliqué que son mari était là-bas. Elle dit qu'on s'était entendu. Donc, comme je venais ici avec les enfants, il devait me suivre dans quelques temps, quelques mois. Voilà, on remonte. Voilà, il y a presque combien d'années qu'il est toujours là-bas. Et a parlé fatigué. Écoutez, hein. Et ce que je vous dis, ce sont vos mères qui étaient censées vous montrer. Ta mère était censée tenir ta main. Quand elle voit au début, on veut dire t'épouser comme ça là. Après, un dragueur part. Deux dragueurs partent. Trois, elle dit que hey, ma fille vient. Elle aligne même si lavage sur toi. Dès qu'elle vient te laver comme ça là, dix dragueurs, bien. Il vient garer que oh, mamie, il va aller te doter une fois. Il va aller t'épouser une fois. Quand vous prenez la Bible, vous lisez Ézéchiel chapitre 16. La Bible dit que personne n'a eu pitié de toi pour te faire ces choses. Je vous ai dit, j'ai mis une vidéo sur Facebook. J'ai même parlé ça avant-hier, je crois, deux, trois jours. Je vous ai dit, priez sur vos enfants. Priez sur vos enfants. Quand elle voit la petite fille devant moi, elle a la vingtaine. Pas de mère. Pas de mère. Sa mère est morte depuis. Quand je suis venue au Cameroun en 2017 pour faire mon mariage, comment j'ai couru monter, descendre pour arranger mon mariage moi-même. J'ai dit que, mais je cours, je me suis arrêtée en route comme ça, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, si tu étais là, il y a des trucs traditionnels que je ne connais même pas. Il y a les rassemblements qu'il faut parler même. J'arrive et je ne connais pas ce qu'il faut dire. Si tu étais là, c'est que tu parles. Dès que tel oncle peut te déranger comme ça, là, tu dis, oh! Dès que telle tante veut déranger, tu prends même 15 minutes, tu donnes. Et c'était. Est-ce que moi, je connais tout ça? Elle dit que la fille parle. La nouvelle fille qu'on a mise à la maison. Tu, ton gars avec toi, vous avez vos ouais, vous commencez. L'enfant vient. Sa famille, comment dit que ce n'est pas le genre de fille là qu'on veut pour toi. On cherche la fille, on lui donne. Comme il a peur de sa famille. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de sa famille? Parce que toi, la fille de Déo avec qui il est, pas que tu es de Déo, tu es Sanga. Tu ne connais pas toi les choses là. Tu es simpleton. Je vais écrire un livre, je vais l'intituler Manuel des simpletons. Manuel des simpletons. Il y a les choses qu'on a pris de votre vie. Tu restes avec nous, ça vous vivez, vous êtes marié. Il est parti lui-même déclarer que c'est elle que je veux. Monogamie, oh, c'est mon tout. Nya, 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 nya. Il sort l'argent, il paye. Il monte les collines de Badjoun. Il part, on le menace pour la dot. Il donne tout. Il rentre 2 ans plus tard, il part. Manipulation spirituelle. Écoutez. Écoutez, mesdames. Écoutez. Je vous donne le diplôme, l'autorisation pour devenir des manipulatrices. Aujourd'hui, je deviens votre mère. Tu vas faire, il y aura les jours que tu vas préparer. Tu tournes comme ça, là, tu parles. Tu dis que Jean-Jacques, tu vas m'aimer. Jean-Jacques, tu vas m'aimer. Jean-Jacques, tu vas plus regarder notre fille. Parce que Jean-Jacques, elle est épousée. Jean-Jacques t'a épousée. Tu n'as pas forcé Jean-Jacques. Il a couru derrière toi, il t'a dragué. Vous vous êtes aimés. Ce que tu fais, ça devient une incantation. Oui, oui, oui. Appelez-moi sorcier, je m'en fous. Aguib, on a trop attaqué tes grossesses, je suis sûre.
Je connais, non? Il y a le genre donc que c'était ta personne avant qu'on le gâte. Puis quand toi tu restes comme ça, tu connais que non. Et parfois quand tu es jeune, jeune fille à 25, 26 ans, tu as les impulsions. Oh, hein, pourquoi? Oh, pourquoi tu es parti me tromper? Non, ma chérie. Comme il est sorti, parti te tromper là, ce n'était même pas lui. Il revient, Jean-Jacques revient à la maison que tu es en train de préparer. Tu prépares dans la calebasse de mamie ton. Oui. Tes paroles là. Écoute, tes paroles là. Alors. Tu parles. Tu parles. Tu prends trois jujubes, tu mets dans la bouche, tu mâches. Tu prends, tu mets dans la nourriture, tu dis que toute sorcellerie qu'on est en train de mettre sur mon mari, avec la nourriture, c'est ça, c'est la nourriture de paix. Tout envoûtement, toute Jézébel, toute manipulation, je brise. Tu fais, tu pas servi, il mange. Toi, tu manges. C'est pas que tu pas fait, tu l'empoisonnes. Tu manges, il mange. Tu repasses ses habits, tu peux même ouvrir la panerie, tu parles sur ses habits. En lavant ses habits, tu finis, tu prends le sel, les habits de tout le monde. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau. Tu dis que comme je rince les habits, si vous n'avez plus besoin de soupline, hein, on ne veut plus la soupline. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau, tu déclares que tout en vous, comme tu portes les vêtements-ci, aucun esprit ne peut t'attaquer. Aucun esprit. Parce que comme elle la voit aussi là comme ça, là, elle est là comme ça, là, il n'y a personne pour la défendre. Personne dans le spirituel pour te défendre. Parfois, tu me m'embrouilles, tu te dis, ah, peut-être qu'ils ont raison. Hein. Non, mamie. Non, mamie. Non, mamie. Comme il t'avait vu au départ, parce que son cœur a fait un ting 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 comme ça là sur toi. Ce n'était pas le hasard. Voilà ta faveur qui était tombée. Même si vous parlez, vous n'avez pas de problème dans votre couple. Donc tout va bien. Protégez. Protégez votre famille. Tu prépares, tu parles sur tes enfants. Tu parles sur ton mari. Vous pensez que dans l'histoire, si c'est elle qui a volé le mari de quelqu'un? L'homme a grandi, il a choisi. La famille vient, et quand la famille fait, elle dit que quand l'autre dame a appelé, elle a dit à la famille que voilà, il part toujours voir la mère de son enfant. Sa soeur, la soeur de l'homme l'appelle, elle, la jeune fille qui est devant moi. On lui fait les menaces. Que laisse notre frère tranquille. Écoutez, c'est l'homme-là qui vient te draguer. C'est lui qui t'a mis l'enfant. Hein. C'est lui qui t'a mis l'enfant. C'est pour ça que souvent il reste la nuit comme ça, il t'écrit. Sa femme est couchée à côté de lui. Hein. Mais il t'écrit. Parce que son vrai cœur. Même les appels vidéo, non. Elle dit qu'il fait mes appels vidéo. Son vrai cœur est sur toi. Son vrai cœur là est sur toi. Mais il est manipulé. Mais il est manipulé. Yves Landry, je ne prends pas seulement la bague. Vous me demandez à mariage, je m'apporte une Mercedes. Mercedes. Je me demandais en bague avec la bague. En mariage avec la bague. Si ta bague coûte 50 000, je fais comment? Écoutez-moi bien. Tu prépares son bain le matin, non? Et que c'est. Tu dis que chérie, on utilise la douche est gâtée. On ne va plus utiliser le truc qui fait que l'eau la coule là. Bébé, tu casses le robinet toi-même. Que chérie, je vais mettre l'eau dans ton seau. Tu le flattes.
Trois pincées de sel. Pian, pian, pian. Toute manipulation, tout manque de faveur, toute personne qui va venir parler mal de moi à mon mari, je brise. Il se lave. Dans l'huile là, tu mets les produits pour le protéger. Ma chérie, tu protèges tes choses. Tu protèges tes choses. Beaucoup d'entre vous, vous savez que vous avez vos mariages sont partis en, comme ça là. Parce que quoi? Tu restes. Après, tu vois, une fille commence à mal lui écrire. Mesdames, écoutez, ce n'est pas parce que tu es dans la maison que les tisas pratiquent. Les tisas pratiquent. Si une tisa vient, elle m'achète mes produits. Et toi, tu es la femme mariée, tu n'achètes pas mes produits. La tisa va mettre le donne-moi tout sur elle. Ton mari va la regarder. Elle va parler que toi, là, tu me donnes. Si elle parle, ça part. Toi, tu es à l'intérieur, tu es légitime. Que Jean-Jacques, toute femme qui te fait les messages pour te tourner la tête, qui a préparé la nourriture une fois que tu es parti manger en passant, elle a porté la nourriture dans ton bureau. J'annule. Angélie, la différence, c'est que toi, tu es légitime. La tisa n'est pas légitime. Mais si la tisa fait ce que toi, tu ne connais pas faire, tu sais quoi? Elle va prendre ton mari. Elle va prendre Hoha. Que Hoha. Tu vas laisser comme ça, tu vas faire, hein? Il y a les femmes ici dehors qui connaissent qu'elle. Mon mari, il a même 5 tisas dehors. Mais elle contrôle l'homme là jusqu'à. Dès qu'elle parle, il est là au galop. Au pied, il est là. Facture à la maison, il paye tout. Agent de poche, il donne tout. Et Anatole. Tu as compris Anatole? Anatole fait il fait le tour de la case. Ce qu'elle vous dit là, c'est pas de la blague. Vous serez surpris de savoir ce que les jeunes femmes ici dehors font. Ou les familles. Et certains hommes, il y a le joug familial. Donc sa famille ne pratique pas, mais ils sont sous la... ils sont sous l'emprise d'un joug. Le joug l'a fait que... Landry, peut-être les déclarations que j'ai faites ce matin, si c'est toi qui tombais. Si tu tombes sous mon charme, je te donne mon adresse, tu viens, tu me donnes donc que tu me... On me drague pas sans argent, hein. Tu as compris, non? Donc si tu es pauvre, de like ma page, tu pars. Voilà. Il y a les familles qui sont sous les jougs. Ce qui fait que le gars est extrêmement contrôlé par ses soeurs. Extrêmement. Extrêmement. Il te voit comme ça là, il te drague depuis 5 ans. Il dit qu'il veut, il n'avance pas. Je ne veux pas. Il te fait la danse de Bafia. Chaque jour, chaque temps. Tu n'as pas mis ton pied à terre. Il y a des femmes que quand elle vient faire son lavage ici, elle dit, je déclare que ta photo Jean-Bernard, tu m'épouses dans mes termes, comme je veux. D'ici juillet 2022. Deux semaines plus tard, il dit que Jean-Bernard m'a donné la bague de fiançailles. Je dis, ma chérie, continue de parler. Continue de parler. Vous doutez de votre pouvoir. Et toi, c'est parce que tu dormais. Tu me comprends, tu dormais. Mais maintenant, tu es réveillé. Non, maintenant, tu connais, non? Le manuel des symptômes va t'aider. Lorsque je dois écrire un livre, on va appeler ça le manuel des symptômes. Oui. Comment arrêter de devenir simple? Ça doit être près d'un 30 jours. Avec les recettes. Merci beaucoup. Vraiment, si Dieu ne t'avait pas créé, c'est que je t'aurais créé, Jocelyn. Vraiment. Je t'ai béni. C'est vraiment pour ça que tu as trouvé cela, je t'ai béni. Il vient de me trouver un document que je cherchais depuis. Oh, tu en as le cas. Eh? Oh, gars. Voilà.
Habille Jocelyne. Oh, sors, sors. Sors. Merci. Tu me dois pas 150 ou 50. Non, mais... Tu me dois pas 25. Non, mais j'ai remis la personne à lui. Ok, bye bye. Ma, demain. D'accord, demain. Écoute, ta vie commence quand tu comprends que rien ne s'acquiert ici dehors et ne se conserve comme ça. J'ai enseigné sur ça le matin. Rien ne s'acquiert. Peut-être ton étoile est forte, le Jacques c'est venu. Mais pour conserver, off, tu as besoin d'intelligence. Tu vas graduer de simpleton à... Il faut qu'on trouve le nom. Quand tu dis de simpleton, là, je dois trouver l'autre étape. Le manuel des simpletons. Comment arrêter d'être bête dans la vie? Ouais. J'ai déjà simpleton, j'ai des scepticons. Maintenant, je cherche le troisième mot. Discipliné pour faire tes choses spirituelles. Tu me comprends? Vous voyez les filles qui ont les grosses voitures, les sacs Louis Vuitton, elles ont construit les maisons, et filles ne blaguent pas avec leur pratique. Et c'est que vous dites, oh non, toi, elles ne blaguent pas. Elles ont appris les principes que vous n'avez pas appris. Quelqu'un se lève à minuit, et c'est qu'il y a des déclarations puissantes de 12 heures de la nuit là. Tu le trouves dans la douche avec ses pieds dans le bain. Il parle, il parle, il parle. Tu es venu pour dormir, tu es une chisa, tu es venu dormir avec lui dans la nuit là. Tu vois, c'est dit que hey, c'est un sorcier. Non, il maîtrise les choses de la spiritualité. C'est pour ça qu'il va te contrôler toujours. Toi, tu seras toujours là comme ça, là, que élan, élan. Tu vas arrêter d'être simpleton. Tu me comprends, non? Voilà. Tu restaures d'abord ton pouvoir d'attraction. Très important. Pour moi, ce n'est pas seulement qu'il faut attirer l'homme. Il faut attirer... J'aime attirer l'argent. Quand il parle, la première chose qu'il va attirer d'abord, c'est l'argent. C'est pour ça que même les dragons, là, quand vous venez, je parle en urgence. Mais aujourd'hui, là, on me drague beaucoup. Alain Sèche. Il y a encore l'autre en haut là-bas qui m'a aussi... Mais c'est comment avez-vous? Ce n'est pas les paroles qui parlent chez moi, hein, c'est les actions. Voilà, on lui dit comment vivre dans son foyer. Je connais un homme qui a subi ça. À la troisième femme, la femme ne blaguait pas. Elle visitait les marabouts. Elle dit que elle là. Quand elle voit une chisa, se pointe un peu un genre comme ça là. Pan, pratique. Parce que ça son degré là. Pratique. Il a fait au moins 10 enfants dehors. Elle, ses enfants sont grands, ses enfants ont 25 ans. Il est toujours à la maison avec elle. Il fait n'importe quoi, il ne bouge pas. Il est là. Il n'est pas nulle part. Il va y coucher, il pond les enfants, il fait tout, 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 tout. À la maison, c'est lui qui fait, il finance tout. D'ailleurs, il ne finance rien. Elle a mis ses bas, elle a mis ses bas. Vous avez laissé votre foyer comme ça, élan, élan. Élan, élan. Les femmes de footballeurs là, elles sont des grandes pratiquantes. Elles ne blaguent pas. Tu vas me donner 5000 euros cette semaine, il porte, il donne. Tu vas faire. Vous savez que les footballeurs sont très très recherchés par les filles, non? Pour rester, maintenir ta place, ma chérie. Pardon, simpleton, arrêtez d'être simple. Là, c'est dans la Bible, attendez, attendez, attendez. Quand elle vous dit les choses aussi là, je croyais que vous croyez que c'est moi qui ai inventé. Ça a commencé dans la Bible. Proverbe chapitre 4.
Écoutez. Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction, la Bible dit d'un père, moi je dis d'une mère. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, moi, Jocelyne. Mais vous ne m'écoutez pas. Ne rejetez pas mon enseignement. Oh, les enfants. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes. Tu vas vivre, tu vas jumbum. Tu vas te marier dans ton thème, dans le pays que tu veux. Venez voir. Ils vont venir lancer leurs choses pour vous gâter votre mariage, le jour de votre mariage, là, ça ne va rien faire. Parce que tu es prête. Tu es prête. Ha! Karababashi karabasante. Aïe, aïe, aïe. Chantarabasa. Verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? Tu sais, c'est pas question d'envoûter quelqu'un. Hein. Tu rencontres quelqu'un, lui-même il t'ouvre sa bouche. Il te dit, ma chérie, je te prends. Il veut être avec toi, viens vivre avec moi. C'est lui-même, c'est ses parents qui l'ont attaché. Ce n'est pas quand tu passes, tu vois quelqu'un passe en route avec sa voiture, tu dis que je t'envoûte, je te jette un sort. Non. La personne a d'abord lui-même commencé à te dire que je veux. Tu as dit, tu es sûr? Il dit, je veux. Tu es sûr? Je veux. Tu as donné non. Tu as ouvert, tu as donné non. Ok. Maintenant que tu as ouvert, tu as donné là. Lui qui a parlé là, tu l'attaches sur ses paroles. Que tu as dit que tu voulais vivre ici là, tu vas vouloir. Tu ne peux pas faire quelque part. Tu vas vouloir jusqu'à ta porte. Tu sais quoi? Verset 4. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Ce sont les paroles que tu écoutes et que tu mets en pratique qui te protègent. C'est ce que tu mets en pratique. Ce sont tes pratiques qui te protègent. Grand maître, lave-toi avec le sel. Aime-la et elle te protégera. C'est ça qui te protège. Quelqu'un vient te chercher, il ne te voit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, quand on passe le marabout pour t'attaquer, le marabout dit que l'eau, tout le monde sauf la fille ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas la toucher. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas acheter. Quand vous n'aimez pas dépenser l'argent là. Exalte-la et elle te lèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Hey, Jesus. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Tu vas rester comme ça, tu vas jumbum. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. On va te chercher, on va te voir pour te tuer. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Oh Seigneur, que tes enfants écoutent. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Tu lances un business en 6 mois, tu fais papa. Tu es dans les 100 millions l'année. 200, 300 millions l'année. Tu ne tombes pas. Parce que tu respectes les paroles. Garde-la et elle, car elle est la vie. Elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Ne marche pas avec les hommes mauvais. Voilà. Je souhaite que la sagesse, la petite sagesse qu'il vient vous donner là, que ça entre dans votre cœur aujourd'hui comme bien. Que tu ne prépares plus jamais la nourriture dans ta maison comme avant.
Il y a les cadeaux qu'on donne à ton mari. Hein. On vient, on lui offre un petit truc, prend les arachides et il rentre à la maison avec. Il y a les choses qu'on a mis dessus. C'est ce qu'effectivement tu as protégé ton mari là. Il prend, il va arriver quelque part, un cœur va lui dire que donne ça aux enfants qui sont dans la rue là. Il prend, il donne aux enfants. Ça n'arrive même pas chez toi. Ça n'arrive même pas chez toi. Et la fessie commence même avant que tu ne te maries. Quand le gars t'approche, il commence à dire que il veut, il te n'aime. Que mon goût pour pi. Avant de dire que pour pi là, tu commences. Que Jean Bosco, comme je t'accepte là, tu vas m'épouser dans les 2 mois qui viennent, même si c'est 3 semaines, Jean Bosco. Tu vas demander que bébé, on part, ouais, bébé, on va se marier, non, bébé. Oui. Oui. Vos témoignages arrivent. Et le jour où il annonce à sa famille qu'il veut t'épouser, c'est seulement l'annonce, il ne demande pas la vie. C'est seulement l'annonce. Il met le communiqué, il écrit, il affiche au salon chez eux. Celui qui veut, il lit. Celui qui veut, ne lit pas. Il les informe que ce sera. Il ne dit même pas que ce sera la mairie de tel. Non. Je vais vous donner les idées. Je vous ai dit que je vais former les acteurs. Quand vous allez venir de Mbeng pour vous marier ici au pays avec vos wad là, je vais vous prêter. Je serai votre mère. Non, je suis trop jeune pour être la mère. Je serai votre petite soeur ou votre grande soeur en fonction de votre âge. Ou je peux devenir même quoi. Vous allez chercher un convoi. Tu arrives, tu lui présentes ta grande soeur, ta tante, ton oncle, ta mère, ton père. Il wonder que c'est ta famille ici. Tu dis oui, c'est ma famille. Parce que tu connais que tes Decepticons là. Si tu peux voir les vrais Decepticons de ta famille là. Jesus is Lord. On commence à dire, hey Gaston! Gaston! Attendez, vous montrez Gaston. J'ai mis Gaston sur. Voilà Gaston. Où est Gaston là-bas? Gaston! Gaston ne part pas. Allez, fais un coucou. Gaston! Où est Gaston? Je vais chercher sa femme. Je vais mettre sa cousine ici. Là, elle sera rose. Je vais teinter mon lapin en rose. Gaston, écoutez-moi bien. Ne devenez plus bête. Quittez de simpletons. Voilà la lumière du monde qui donne le témoignage de donne-moi tout. Quand on dit qu'elle sent bon. Arrête de nourrir le lapin là. Tu manges une carotte, tu lui donnes une demi-carotte. Hein? Ouais. Voilà, mon lapin mange la carotte. C'est un vrai lapin. Il fait comme le lapin des films. Gaston. Fait comme dans les films. Il mange la carotte. Comme les lapins. Ouais, comment Gaston vient me distraire, non? Écoutez, hein. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le kit commerce, j'ai mis le mode d'emploi sur YouTube. Je vous ai dit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez vous abonner, s'il vous plaît. Arrêtez de devenir simple. Si tu te maries à 25 ans, tu dois conserver ton mari. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Ces erreurs ne seront pas répétées. Ne vous en faites pas, mes Decepticons. J'ai retenu la leçon des Decepticons. Ça, c'est pour mes choristes là, mon père Didier, ne demande pas trop. Tu as compris? Ce sont les grades spirituels. Tu as compris, non? C'est pas pour la protection, forcément. Je suis très protégée. Tu veux vraiment que tout le monde ait ma protection? C'est que je serais bête.
Ericia, je reçois ta bénédiction riche là. Tu as dit que richement béni, je reçois le mot riche que tu as mis sur ça. Tu te maries, tu es censé conserver. Ton gars vient, vous mettez ensemble, vous continuez ensemble. Mettez vos dates où vous voulez qu'on vous épouse là. Mangez le don. Le don rend votre bouche puissante, ça fortifie la langue. Et c'est que vous donnez mes astuces, vous n'utilisez pas. Voilà. Sauf tu dis que tu as commencé à te laver avec le sel. Voilà que ton fiancé était parti, qui était parti est revenu. Ma chérie, mets le don sur ça, tu parles. Détermine la date de mariage. Tu appelles l'agent de ce fiancé-là. Tu vas voir d'un maximum 6 mois, vous serez marié. Et le tout, ce n'est pas de se marier. Le tout, c'est d'avoir l'argent aussi. Vous mariez, vous êtes pauvre, mon frère. C'est comment? Voilà. C'est bon. Maintenant, c'est fini, ok? J'ai fini. Allez sur YouTube, j'ai toutes les vidéos là. Le même nom que vous avez sur Facebook, vous avez ça sur YouTube. Florence, c'est la représentante de Nantes. Elle est superbe. Et même la représentante de Paris aussi. Les produits sont arrivés à Paris ce matin. Donc, il y a des produits à Paris. Commandez ce que vous voulez en extra. Tous les 4 jours, j'ai quelqu'un qui monte à Paris. Donc, on peut mettre... on peut vous envoyer ce que vous voulez. Vous avez compris, non? Le don donne la puissance à votre bouche. Ça donne la puissance à ta bouche. Le don est comme le jujube, mais c'est court et ça pique. Ça pique. Le kit fondation est sur YouTube. S'il vous plaît. Si vous avez fait des commandes, écrivez juste pour rappeler que vous avez commandé. Ok? Non, pour ta copine, elle doit être peut-être de l'eau. Tu as compris, non? Ta copine est très spirituelle. C'est pas une simple petite fille. Bon, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai mis les utilisations là-bas. Tous les kits qu'on vend là. Kit fondation, kit déblocage, kit attraction, quoi d'autre. J'ai mis même le donne-moi tout. Je vous ai montré les astuces de donne-moi tout. Beaucoup de dragueurs vont venir en désordre. Les gens qui veulent se marier depuis là, qui attendent de acheter le don, pardon, vous mangez. Ça pique là. Ça, quand tu viens de manger, quand tu es en train de manger, c'est le temps là que tu parles. Mangez ça chaque jour. Soyez bénis, 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 bénis. Je vous bénis. Je viens à Abidjan. Je vous fais la surprise. Je suis à Abidjan samedi. Je suis à Abidjan samedi. Ok? Donc préparez-vous. Les gens qui doutaient que vous veniez à Abidjan là, si vous n'avez pas encore payé la consultation, je ne vous verrai pas où. Vous allez venir, ça va prendre vos produits, vous partez. Vous voulez faire le Thomas là. Je vous ai dit qu'à Abidjan, vous devez prier. Il y a le numéro pour le lavage à distance. Contactez ce numéro-là. 693 50 22 66. Avec la photo, avec les désirs. Si vous avez payé une consultation et ça tarde trop, convertissez ça en lavage à distance. Ça va faire plus léger pour vous. Voilà. Le kit commerce, c'est le plus cher de tous les kits qu'on a. Oui, le don enlève aussi les mauvaises choses dans le ventre, oui. Oui, tu peux mettre le don tout pendant tes règles. 7 graines de don. Tu n'es pas encore marié, tu manges le don, tu appelles ton mari. Bon, bye bye, je continue ce qu'elle faisait. Bonne journée à vous. Allez sur ma chaîne YouTube. YouTube, ça a le même nom que ici là. YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Arrêtez la paresse, vous aimez ça. Allez sur YouTube, vous écrivez T-H-E, espace G-I-F-T. Vous vous abonnez, je mets les vidéos chaque jour. J'ai montré aujourd'hui sur la vidéo comment utiliser le donne-moi tout. J'ai aussi parlé des âmes sœurs. Voilà. À Abidjan, je suis là-bas samedi. Samedi, je suis à Abidjan.